C'est un haut lieu, Sarcelles. C'est grand, c'est solide, donc c'est beau. Moi, quand je monte sur le toit et que je ferme les yeux, je vois Tunis. Yalin, Yalin, Habibi, Yalin, 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 Habibi, Yalin, 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 Habibi, Yalin, 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 Habibi, Yalin. Un juif tunisien, il est tunisien de sa naissance jusqu'à sa mort. Pour moi, la Tunisie, c'est mes parents, et mes parents, c'est la Tunisie. Donc en fait, si j'aime la Tunisie, c'est parce que d'abord et avant tout, j'aime mes parents. On est la dernière génération à avoir été potes avec les musulmans de Tunisie. On était amis. Moi, je joue au football avec les enfants. Il n'y avait pas de différence. Cette culture, on l'avait gardée, cette amitié. Ah, nous, les juifs et les musulmans, c'était le paradis. Parce qu'on a envie de rendre le passé beau. C'était pas si simple que ça. Parce que si c'était si simple que ça, on ne serait pas parti. Les gens ne quittent pas comme ça du jour au lendemain, si tout allait bien. C'est des siècles de vexation, des siècles d'exclusion, de marginalisation. Donc ça, j'avais envie de comprendre la violence qu'avaient vécu mes grands-parents et pourquoi il y avait tellement de rancœur. Et pour ça, je crois que j'avais besoin de venir ici. Et je me suis rendu compte que ce qui m'avait le plus traumatisé dans ma vie, sans doute, c'est d'avoir été chassée de mon pays, parce que moi, à ce jour, je considère que je suis tunisienne. Et je m'en fous, je suis tunisienne. Quand je vais en Tunisie aujourd'hui, je suis à la fois très frustrée parce que c'est mon pays, mais c'est pas mon pays. Je me sens pas bien parce que je voudrais y être et j'y suis pas. Mais j'y suis quand même. Mais c'est aussi notre histoire, tu comprends ça? C'est qu'on a vécu là-bas. C'est qu'on a été là-bas. C'est que là-bas, c'était nous. Et que nous, c'était là-bas.